Les temps sont durs pour les groupes énergétiques allemands. Le numéro 1 du secteur, E.ON, vient d'annoncer une baisse de 46% de son bénéfice net en 2013. Comme ses concurrents européens, E.ON subit les conséquences de la transition énergétique particulièrement active en Allemagne. Depuis la décision du gouvernement de sortir du nucléaire, le groupe a dû fermer 3 de ses centrales et devra faire pareil avec les 4 restantes d'ici à 2021. Spécialisé dans les énergies fossiles, le groupe est contraint de totalement se réinventer pour faire face à la concurrence des énergies renouvelables subventionnées, mais il manque de moyens pour amorcer ce virage et ses effectifs fondent d'année en année.